Témoignez là-haut. Salut, que passe. Enlève ici, oui. M'asseoir. Témoignez-moi, oh, quand je suis encore en vie. C'est ça. Parce que quand il dit non, oh, quand je vois la famille, après je vais chasser. N'attendez pas le jour de ma mort et pour acheter ceci. N'attendez pas le jour de ma mort et pour acheter ce cahier. Oui, oui. Maman Guéa, la Camerounaise. Voilà, mobilisation. Mobilisation. Rassemblement. Rassemblement tous les soirs. À l'hôpital général. De Douala. De Douala. Pour soutenir Maman Guéa. Au service des urgences. Voilà. Au service des urgences. Au service des urgences. Devant la, déjà, là devant, si vous dites que c'est pour Maman Guéa. Au service des urgences. Tout le monde ne sait pas. Bon, au service des urgences. Voilà. Voilà. Donc. Voilà, Maman Guéa, elle est là. Vous écoutez ses chansons. Tous les jours, vous écoutez ses chansons. Vous savourez ses chansons, mais vous l'oubliez. Elle est là. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Elle abandonna elle-même avec sa fille. Donc, c'est pas le monde. Voilà. On a besoin de vous quand même. Je suis à l'hôpital avec le grand frère Benoît Buton, le maestro. Le bonbon, Benoît Buton, nous nous sommes rencontrés comme ça par hasard. Moi, je suis venu parce que la marraine Poche Kayen Lili Changa a envoyé sa contribution, une modeste contribution de 200 000 pour Akarine. Parce que cette télé, il faut payer cette télé. C'est à l'hôpital, il faut le payer. Faut payer la chambre. Il faut payer la chambre. J'ai pas fini avec les factures. Il faut payer la chambre. Il faut payer à manger, ça c'est un servitraiteur, c'est ça? Oui. C'est un servitraiteur. Ce n'est pas le nourriture, le lait, ça, tout ça. Ça c'est un servitraiteur. Il faut payer les factures de la deuxième coupure. Il faut payer les factures. Non, pas moi. Parce qu'on vient d'amputer la deuxième jambe. Moi j'ai fait les autres. Donc. Et voilà, et rien que même parler avec Maman Guéa, ça lui fera du bien. Je dis déjà bravo à Dorette. Qui est là tout le temps et qui prend soin de maman. Tu m'as appelé la fille parce que, de Dieu, pourquoi? Et voilà. Elle a même eu le courage de venir et laver maman. Et aucune Camerounaise ou aucun Camerounais ne peut faire ce que tu as fait là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que les gens sont. Les gens de. Quand j'avais l'endroit où ils étaient nombreux ou. Quand j'avais du succès, ils étaient nombreux. Où sont les leaders des artistes quand il faut voter le président des droits d'auteur? Ils sont nombreux. Oui. Ils apparaissent. Oui. Comme des leaders. Ah. Où sont-ils? Mais c'est le cycle de la vie en Afrique. Hein. Il ne faut pas vous tromper. Hein. Moi, je ne suis pas surprise. Je suis ici seule avec elle et puis sa fille biologique. Parce que moi, je ne suis pas sa fille biologique. Hein. Je suis un chef d'entreprise. D'accord, qui a décidé que la musique camerounaise, plus particulièrement le Mako, ça ne doit pas s'envoler. Parce que je suis Sawa moi-même et princesse de mon état. Donc si je peux faire quelque chose pour cette bibliothèque musicale, eh ben, j'hésiterai pas. D'accord, et je le fais depuis. Hein? C'est le passeport de ça ici. Mmh? C'est lui qui m'a donné la charge là. Celui-ci. On appelle le libérateur du là. C'est sa part de charge qui est là. En fait, c'est ça, c'est moi qui lui dis que ouais, Maman Guéa est souffrante. Est-ce que elle est en Belgique. Est-ce que comme tu es là-bas, tu peux acheter une prothèse, voilà. Malheureusement, nous avons dit que non, il faut d'abord attendre que... Maintenant, ça fait deux prothèses. Maintenant, c'est deux prothèses. Est-ce que tu veux moi, parce que le silicone, là, ça coûte cher. Mm-hmm. Et puis, la deuxième jambe, elle est plus haut que la première. Donc, on ne vous demande pas de l'aide parce qu'on est misérable. D'accord. On vous demande de l'aide parce qu'on a aussi nos familles. Hein? D'accord. Et puis on a aussi les gens qui ont des problèmes dans nos familles. D'accord. On a des enfants aussi à nourrir. Maestro. Ben gamé,
Cette chanson relève l'état actuel de maman Guéa. En tout cas, ça l'a fait souvent. Ça veut simplement dire que maman Guéa vit justement cette instance-là. L'instance où justement elle a besoin du cri du cœur de tout le monde et puis l'adresse que nous pouvons faire à Dieu pour que celui-ci puisse lui venir en aide. C'est ce que ça veut dire. Cette chanson retrace exactement la stature de maman Guéa telle qu'elle est aujourd'hui. Elle a donc besoin de vous. Ça veut dire quoi? Si nous, êtres humains, si nous, Africains, si nous, Camerounais, si nous, Sawa, Bassa, Bamleke, tous ensemble, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. L'un d'entre nous tombe. Si un seul membre de notre corps tombe et souffre, ça veut dire que c'est tout le corps qui est en souffrance. Et c'est la même chose. Si tous les artistes vont donc souffrir derrière Maman Guéa, ça veut dire que Maman Guéa, ça pourrait aller. Ça veut dire que toute forme d'assistance est nécessaire aujourd'hui, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit technique, qu'elle soit même spirituelle, elle est la bienvenue. Donc, Maman Guéa, la voici, qui a besoin de vous. C'est un cri du cœur que le libérateur lance, c'est une voix qui porte très haut. Et moi, je ne suis qu'un petit toutourou qui est aussi derrière, qui lui apporte également le même soutien. Maman Guéa en a besoin. Franchement, mesdames et messieurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, personnel de l'hôpital, personnel de n'importe quel hôpital, Bayam Selam, bref, tout le monde. Opérateur économique surtout. Alors que faites-vous? Dans vos voitures, il y a la musique de Maman Guéa. Dans vos bars respectifs, il y a la musique de Maman Guéa. Il y a la musique de longueur, longueur. Témoignez, Mao, quand je suis encore en vie. Elle est encore en vie. Il faut donc témoigner, ça veut dire que témoigner de votre présence, de votre assistance. Morale. Morale, psychologique, spirituelle, même à distance. Et même un petit mot gentil, cela va toujours marquer sa conscience, son esprit. Cela va rehausser aussi sa psychologie et son mental. Parce que le malade, en fait, c'est quoi? Soit on est hypochondriaque, ça veut dire que justement, on croit que c'est, tout est fini, soit alors on a un mental et un moral haut, parce qu'on a les nôtres. Donc, Maman Guéa, aujourd'hui, en a besoin. Soyez là, où que vous soyez, quoi que vous fissiez, soyez même en Europe, au Canada, partout aux États-Unis, au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Kinshasa, à Lubumbashi, n'importe où. Maman Guéa vous a fait rêver. Moi, j'ai conçu des chansons autour de la bonne chanson et de la bonne musique de Maman Guéa. Ça veut dire qu'elle a inspiré plus tard. J'ai été inspiré à travers elle. Et quand je compose, vous voyez que c'est une source. Donc, cela a inspiré beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la musique de Maman Guéa, elle a touché toutes les frontières. Toutes les frontières, également les cœurs aussi. Donc, brisons toutes les barrières raciales, les barrières tribales, les barrières... Dans l'ensemble, en fait, brisons toutes les barrières. Elle a besoin de quelqu'un. Un être humain, quel qu'il soit. Dès qu'il souffre, il faut que toute la meute humaine soit autour d'elle. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir lancé cette initiative. Alors, je te soutiens dans cela. Maman Guéa a besoin de nous tous. Voilà, donc vous avez compris, tous les soirs, donc à partir de 16h, mobilisons-nous autour de Maman Guéa. Retrouvons-nous. Hein? L'entrée est 18h. L'entrée? Oui, il y a les heures de visite, c'est 18h, 20h. Voilà. Voilà le service traiteur qui arrive. Bonsoir, bonsoir. Voilà un exemple. Et tout ça coûte de l'argent. Tout ça coûte de l'argent. Ça donne la taupe à la chambre. Non, ça c'est pas le dîner. Donc, on n'a pas mangé depuis. On a mangé ma nourriture. Voilà. Donc, là-bas, c'était pour le chef. Non, je coupe. C'est le Fini Hôtel. C'est le Fini Hôtel de Limbé. C'est tout ma maison là-bas. Fini Hôtel, hein? Oui, Fini. C'est vous qui avez gagné le marché de lever la nourriture ici. Oui, oui, c'est pour ça que la nourriture a bon goût. D'accord. Voilà. Ça respecte à son régime. Est-ce que tu peux présenter son menu? Oui. Ici, nous avons du poisson. Je montre-lui. Ici, nous avons du poisson, nous avons une entrée, une simple entrée. Et la papaye. Ça respecte vraiment à son régime.
Un peu le chef qui va nous présenter, le maître qui va nous présenter le menu de Maman Guéa. Oui, parce que c'est son dîner du soir. Ici, nous avons les macaronis et un léger sauce qui respecte typiquement son régime. Et puis nous avons les entrées, ici, ça sont les salades et puis un peu de patates. Des crudités. Des crudités, oui. Mm-hmm. Donc c'est un peu ça. D'accord. Ça respecte normalement son régime alimentaire. Ça, c'est un... Parce que dans le cas. Il y a un régime prescrit, c'est ce que le médecin m'a dit. Oui. Parce qu'on m'a un peu briefé sur ma nourriture que moi-même j'apporte ici. Oui, oui, donc c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, maître. Merci, ça me donne envie de manger. J'ai juste oublié que maman Guéa est malade. Je mange son plat. Voilà. C'est ce que quand je dis souvent que j'en ai marre du ndolé, le mbongo, vous voyez qu'il n'y a pas le ndolé, le mbongo là. Hein, c'est les carottes, c'est les... C'est une très belle nourriture d'ailleurs. Et tout avec... cela, libérateur, il faut préciser que tout cela coûte de l'argent. C'est justement tout cela que, coûte de l'argent. Voilà, c'est justement pour ça qu'il faut qu'il y ait une adhésion massive dans cette initiative que tu as lancée. Dans cette initiative que tu as lancée, donc, il faut pas, qu'il y ait une adhésion massive, il faut que les gens participent, même de loin, même à distance, même de près. Mais surtout de près aussi. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas, ce n'est pas forcément dit qu'on puisse toujours avoir. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas, on peut toujours arriver à apporter son soutien moral. Cette chaleur humaine est importante. Donc demain, tu serais là que le libérateur. Oui, 16h. Alors, c'est je serai donc là avec toi à 16h, 17h, je serai là. Vous viendrez donc, vous trouverez beaucoup de stars qui viendront aussi là. Vous allez donc faire cette collectivité mentale et morale auprès de Maman Guéa. Voilà, donc. Vous voyez, beaucoup de gens commencent déjà à appeler. Je suis entre Maman Guéa. Voilà. Mais c'est le bon numéro, là. Oui, c'est le même numéro, monsieur. C'est Mbombo Benoît Biton et Libérateur. Donc, c'est Mbombo Benoît Biton qui vous répond. Alors, le libérateur est à côté aussi, le libérateur, tu peux lui répondre. Et Maman Guéa aussi est à côté. Tout le monde vous écoute. Alors, Maman Donc, Guéa va répondre pour que vous soyez sûr que c'est elle. Maman Guéa, vas-y. Allô? Maman Guéa, bonsoir, maman. Bonsoir. Je suis là de tes enfants à Douala. J'ai apprécié beaucoup ta musique. Je m'appelle Minex. Et je veux aussi contribuer ma part de contribution pour ta maladie. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire les efforts, je ne peux pas faire grand chose. Mais quand ce que je vais envoyer, vous allez aussi dire que c'est aussi une perfusion. Vraiment, il faut aussi savoir que la vie est Papa Benoît Biton, oui. Je te donne beaucoup de courage. Merci. Merci. C'est surtout Libérateur hein, qui a lancé l'initiative. Et qui vous le rend au centuple. Je suis Dora. Je suis un jeune étudiant aussi. Je m'appelle Nono Minex. Je suis le directeur de l'Ordre Longuet. Je suis même un des fans de Maman Guéa. Vraiment, ma part de 25 000 tours aussi suffit, comme ça peut suffire. Ah, super. 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 Dieu vous bénisse. Super. Voilà, Amen. Libérateur, ça, voilà, il faut relever ça. Voilà un jeune étudiant qui ne travaille pas, qui ne gagne pas grand-chose, qui n'a rien, mais qui dit avec cet élan du cœur que toi, Libérateur, tu as lancé, il dit qu'il va contribuer à concurrence de 25 000 francs. Ce qui n'est pas rien pour quelqu'un qui n'est pas... Pour quelqu'un qui ne travaille pas. Alors, mais que dire alors des opérateurs économiques qui chaque jour écoutent la musique de Maman Guéa, qui brassent des millions, qui dans leur voiture, pendant qu'ils font du sport, ils écoutent la musique de Maman Guéa. Donc, il faut que cet élan de cœur, le petit Nono, qui lance ainsi donc le point de départ de cette grande cagnotte que nous lançons pour Maman Guéa, vraiment fait un très bel exemple, Libérateur, qu'il faut saluer. Benoît, oui. C'est instantané, c'est ce qui est. Bon, et puis justement, comme dit Dora, comme dit Dora, c'est instantané, c'est-à-dire de façon instantanée, c'est ça qui est très important. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu le bénisse, ça, c'est très bien. Donc,
Le numéro, normalement, de Maman Guéa, c'est le 691-91-66-71. C'est-à-dire que c'est le même numéro que le petit Nono a composé tout à l'heure pour parler en direct avec Maman Guéa, avec Benoît Bitton et avec le libérateur Longa Longa, avec Jora, avec le personnel même du service prêteur qui est venu livrer ici à distance, okay, sur place, de façon directe. De Maman Guéa. Donc vous aussi qui êtes partout, qui êtes à la maison, qui êtes n'importe où, dans votre taxi, dans votre quartier, vous qui êtes n'importe où, participez à l'élan de cœur. Et je rappelle que tous les soirs, quand on sera là, il y aura toujours un direct longue longue. Voilà, donc nous sommes décidés, hein, de cette fois-ci, nous serons là, Maman Guéa, pour te apporter notre soutien. Je me souviens quand je commençais, moi, je suivais Maman Guéa partout. Partout. C'est moi qui jouais le rôle de Papa Zoé. Il y a des scènes où je montais, je faisais comme si c'était. Moi, Papa Zoé. Libérateur, s'il te plaît, j'ai une idée. Mon idée, c'est quoi? C'est que je peux emmener demain une guitare. Mm-hmm. Et puis, peut-être pas dans la scène de l'hôpital, mais peut-être de façon un peu en aparté. On va faire des musiques et les reprendre à chaque fois les musiques de Maman Guéa. Et Maman Guéa, même en acapella, on va les faire afin de pouvoir nourrir ce direct que nous allons faire tout le temps. C'est les musiques de Maman Guéa qui seront derrière, qui seront en filigrane, pour pouvoir faire participer le plus de personnes possible à cette cagnotte que toi, le libérateur, tu lances. Et puis, ça, je te félicite encore parce que tu n'es pas libérateur pour rien. Voilà encore un autre appel. Un autre quelqu'un qui appelle encore, justement, pour parler directement de Maman Guéa. Allô, bonsoir. Oui, Maman Guéa, elle est là en direct avec vous. Alors, super, grand chef, super beaucoup, merci beaucoup. Dora a quelque chose à te dire. Attends, quelqu'un d'autre appelle, merci beaucoup. J'ai vu. Raccrochez, s'il vous plaît, merci. D'accord, ok, merci beaucoup. Nous demandons à la personne de rappeler, parce qu'il y avait quelqu'un en ligne. Quand on appelle, s'il te plaît, laisse la musique là jouer un peu, tu vois. Voilà, ça fera du bien à Maman Guéa de discuter, causer avec... C'est seul avec Monique la nuit. Mon frère allait travailler, non? C'est bon, non? Non, il veut la photo avec toi. C'est autant que je... Il a déjà fait les vidéos même pendant qu'on fait les trucs. Non, c'est avec moi. Il ouais. T'a pas filmé. Viens te filmer ici. Maman Guéa s'était filmé avec combien de personnes? C'est pas moi qui t'a envoyé. Maman Guéa s'était filmé avec combien de Camerounais? Où sont les Camerounais là? Dorette, allez travailler, mon frère. Je crois que tu as quelque chose à dire à propos de celui qui vient d'appeler, là, le jeune étudiant qui vient d'appeler. Oui, non, je vais pas. Bon, voilà quelqu'un d'autre qui appelle encore. Voilà, vous voyez, quand vous appelez, c'est la bonne musique de Maman Guéa. Maman Guéa vous écoute. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ça va pas parler seulement une fois. S'il faut qu'elle parle à tout le monde, ça va pas. Pardon? Je dis que laisse Benoît parler. Ok. Parle toi-même. C'est-à-dire que maman va seulement dire merci. C'est tout. D'accord. Voilà. Sinon, vous allez la fatiguer. Nous, ok. C'est tout pour qu'elle ait l'énergie. Tu manges à tout. Voilà quelqu'un d'autre qui appelle. Je crois que c'est un appel. La chine. Non, c'est les États-Unis qui parlent. 929, c'est l'État des États-Unis. C'est pas les États-Unis. C'est les États-Unis, c'est à New York. C'est New York. Ah ouais, c'est New York. Alors, bonsoir. C'est bien. Bonsoir. Allô, bonsoir. Le palais, attends. Le palais. Mets le palais. Ne quittez pas. Ça a bugué. Allô, bonsoir. Allô. Moi, je crois que ça. Raccrochez et vous rappelez, s'il vous plaît. C'est la connexion, je crois. C'est loin. Enlève ça. Ça bugue parce qu'il y a des gens, c'est le monde entier qui appelle. Voilà, Maman Guéa avait besoin de ça. Voilà, c'est le même appel que je fais encore. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame.
Oui, allô, bonsoir. Alors, allô, bonsoir. Oui. Oui, c'est Maman Guéa. Vous êtes en direct avec Maman Guéa depuis son hôpital, l'hôpital général à Douala. Nous vous écoutons. Et elle vous écoute. Elle est à côté. Ici, à New York, je suis en Amato. Elle est quoi? Oui. Et puis, d'accord, je vais rappeler. Et puis, si vous voulez envoyer à partir des autres moments. Oui. Alors, moi, je fais comment pour contribuer? Pour contribuer, vous envoyez là maintenant Dora, ou bien alors sa fille va intervenir parce qu'elle ne peut pas faire Orange Money. Elle va faire peut-être un envoi. Je suis Dorette Bouimba. Pour contribuer, c'est un Orange Money. Si vous avez un correspondant au Cameroun, vous pouvez envoyer l'argent à ce correspondant, il fait un Orange Money. Ou encore, vous pouvez faire un Western Union. Au nom de Maman Guéa. Au nom de sa fille. Au nom de sa fille. Oui, donc à ce numéro-ci, vous faites un Orange Money, c'est le nom de Maman Guéa qui va s'afficher. Et puis vous validez l'envoi. Je peux vous demander une chose, s'il vous plaît. Oula. Je voulais qu'il me précise, parce qu'entre ce qu'on donne souvent pour envoyer ce qui arrive, il y a souvent un coup circuit. Voilà, donc il y a des gens qui appelaient de Paris tout à l'heure pendant qu'on décrochait. On décrochait la dame qui appelait de New York là. Voilà, donc mobilisation. Nous voulons une masse devant l'hôpital général. J'ai envie de voir ce qui s'est passé avec Arafat. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Vous êtes en direct de l'hôpital général à Douala et vous êtes avec Maman Guéa qui vous écoute. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Parlez, monsieur. Allez-y, parlez, mais Maman Guéa vous écoute. Ah, d'accord. Oui, je vous appelle depuis Paris. J'appelle juste pour vous demander est-ce que c'est vous qui avez un problème. Je suis ici à Paris, ça fait 5 ans, mais vous êtes seulement pour On vous entend très mal, hein? Monsieur, attends. Ce que vous allez faire, hein, enregistrez ce numéro, répond sur WhatsApp. Enregistrez le numéro et vous parlez à Maman Guéa directement sur WhatsApp. Là, c'est les États-Unis encore. Enregistrez le numéro, vous lui parlez. À... Vous faites le plus de 100%. Raccrochez, s'il vous plaît, monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Nous vous écoutons en direct de l'hôpital général. Maman Guéa est à vous. Allô? Oui, Maman Guéa vous écoute. Oui, allô, bonsoir. Maman Guéa vous écoute. Oui, Maman Guéa vous écoute. Oui, allô, Maman Guéa vous écoute. Ah, ok. C'est Maman Guéa. J'ai d'abord quelques mots d'encouragement pour elle. Je veux d'abord lui dire que merci pour son passage ici à Oklahoma. Aux États-Unis. Elle avait vraiment fait danser, elle a fait rappeler. Elle est venue au Oklahoma, on a passé presque 3 mois. Et alors? Oui, allô, on vous écoute. Continuez, elle vous écoute. Elle vous suit. Elle vous suit. Parfaitement, allez-y, elle vous suit. Ok. Donc, je vais. On va remettre tous à. En prière et puis voir comment on va se mobiliser ici en Oklahoma. Oui. Pour l'envoyer quelque chose. Et dis-lui que je vais appeler son ami Pierre. Elle connaît Pierre normalement. Je vais appeler Pierre, je vais appeler son frère Bassa. Je vais appeler son ami Edgar. Oui. Ils ne sont pas au courant. Oui. Ça me touche beaucoup. Ouais. Ça me touche beaucoup.
Et c'est très très bien pour toi. On va essayer de se mobiliser. Tout à fait. Si on va voir comment est-ce qu'on va faire. Ok. Oui, les coordonnées, c'est sur le même numéro sur lequel vous appelez. Avez là. C'est ce que vous et avez. Ce numéro également répond sur WhatsApp. Bon, alors. Bon, il faut. Oui, c'est le numéro, il répond sur WhatsApp. Donc, vous pouvez faire un voice, vous l'envoyez sur WhatsApp. Et sur les coordonnées de tout ce que vous allez faire. Et là, vous aurez toutes les réponses. D'accord, monsieur. Ok, mais bonne soirée à vous. Hein. Merci. Merci. Vas-y, prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre. Bon, prends quelqu'un d'autre. Vous dire merci. Vas-y. Non, merci que quoi? Merci. Pour le coup de fil. Ok, tout à fait. Bon, vous voyez, et là, la ligne est saturée. C'est le monde entier qui appelle. Le monde entier qui appelle. Il n'y a plus moyen. On a au moins 500 coups de fil à la seconde. Vous voyez, donc il y avait un problème de communication, de mobilisation. Si on avait fait ça depuis, Maman Guéa n'allait pas se retrouver dans cet état parce qu'elle voulait aller au Maroc se faire opérer. C'était ça, non, Maman Guéa? Oui. Au début, Maman Guéa a fait des vidéos où elle demandait qu'on lui donne un coup de main pour qu'elle parte se faire opérer au Maroc. Personne n'a agi. Personne n'a bougé. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, vous appelez de la Pologne. Vous appelez de la Pologne. Oui, tout à fait, je vous appelle de la Pologne. Alors, nous vous écoutons. Maman Guéa est devant vous, elle vous écoute. Un monogramme, oui. Alors, nous allons vous donner le nom, les coordonnées, donc le nom sur lequel vous allez donc envoyer le monogramme. Alors, le nom c'est... Kubinon. Comment, hein? Oui, mon nom, c'est mon nom. Mm-hmm. Kubinon. Kubinon. Donc, oui, le nom, vous allez envoyer le nom de Kubinon. K. K-O. Oui. U. K-O-U. B-I-N-O-M. Reprends. K-O-U-B-I. Bon, attends, je vais pas. Ils sont entrés sur le direct. On va passer le message par direct. D'accord. Bon, mais... Allô, la Pologne? Allô? Allô, vous êtes toujours là? Allô? Il est parti. Bon, il est parti. Allô? Bon, il est là. Non. Oui, vas-y, ça c'est le Cameroun. Allô, bonsoir. Alors, non, il est parti. Alors, allô? Allô? Celui-là, il est parti. Libérateur, ce qu'on va faire, c'est que nous allons donner le nom qui doit être le nom de sa fille personnelle. Attends, tiens. Alors, pour qui on doit envoyer? C'est-à-dire que... Alors, s'il vous plaît, Maman Guéa, vous voyez, Maman Guéa ne peut pas bouger. Donc, on ne peut pas envoyer l'argent au nom de Maman Guéa. Mais voici sa petite fille, c'est ça, non? Non, c'est sa fille. Sa fille. C'est pas sa petite fille. C'est sa fille. Voici sa fille. Ah bon? Allez, si. L'enfant de sa soeur, qui est sa fille. C'est ça, non? Voilà, parce que depuis que jusqu'à je suis arrivé ici il y a 3 mois, c'est toujours elle qui est là à côté de moi. En fait, c'est Maman sa Guéa. Fille, elle est toujours avec elle. Et elle a le visage de la famille. Parce que moi, ce que je dois vous dire, que personne ne sait, la mère de mes enfants a habité chez Maman Guéa. Libérateur, on va prendre cet appel. La mère de mes enfants qui est à Paris. Allô, bonsoir. Tu vois, la mère de mes enfants, c'est ça, non, Maman Guéa? Oui. La mère de mes enfants, ou c'est sa grande sœur, c'est Anita? Anne-Negue. Anne-Negue, c'est qui? C'est Anita. La grande sœur. La grande sœur de... Maman. Non, la grande sœur de Suzanne, qui habitait à quoi, non. Mm-hmm. Ou Suzanne elle-même. Mm-hmm. C'est Suzanne, la mère de mes enfants, là. Voilà. Elle habitait à quoi, non? Voilà, donc... Actuellement, voici la fille de Maman Guéa. Elle s'appelle... Djamboul Monique. Non, tu as donné un nom tout à l'heure là. Non, c'était le nom de Maman Guéa, Kubinon. Kubinon. Non, Kubinon, c'était le nom de Maman Guéa. D'accord. Mais c'est son nom à elle parce que Western Union refuse qu'elle touche à la place de sa mère. Bien sûr. Ouais, donc, il faut donner ton nom. C'est ça ici. Djamboul Monique. C'est... Voilà.
D-J-A-M-B-O-N. C'est M. On va prendre un appel. Monique. Allô, bonsoir. Hello. Oui, bonsoir, madame. Nous vous écoutons. Maman Gaya est là, Maman Gaya vous écoute. Allô. Allez-y. Parlez-lui à Madame Gaya. Allô. Ah, son crédit est fini. Alors, tu peux continuer. Donc, Jambo Monique. Oui. Oui, Jambo Monique. Sandrine. D-J-A-M-B. Non, D-J-A. Vas-y. M-B-O-N. Un peu lentement pour que tout le monde puisse comprendre. D comme Dorette, J comme janvier, non, A comme... Bon. D, J, vas-y. A, M, B, O, N. Voilà, Jambo. Monique Sandrine. Voilà, bon, Jambo. Le téléphone, là, c'est quoi? 655. 6? 55. 96. 96. 78. 78. 40. 40. Voilà, donc c'est... Je répète que ce numéro est utilisé uniquement par ceux qui sont à l'étranger, hein, pour les Western Union. Parce que tous ceux qui peuvent faire les... comment on appelle ça? Orange Money, utilisez le numéro de Maman Gaya directement, qui est le 6... 91. 71. 66. 71. Alors, pour ne pas embrouiller les téléspectateurs, voilà ce qu'on va faire. Dès que vous voulez appeler Maman Gaya, appelez Maman Gaya au 691-91-66-71. Et si vous êtes à l'étranger, précédez par 00237. Je recommence. Pour avoir Maman Gaya elle-même, pour pouvoir lui parler elle-même, il faudra composer le 00237 si vous êtes à l'étranger. Maintenant, 691-91-66-71. 71. Vous l'aurez en direct. Voilà. Maintenant, les coordonnées pour tous ceux qui voudront envoyer de l'argent de l'étranger en Western Union. Attention, on ne vous donne pas le numéro de téléphone. Vous allez appeler et on vous le communique en poste. On vous enverra un poste pour pouvoir l'avoir, pour qu'on n'embrouille pas les téléspectateurs. Pour envoyer Orange Money à Maman Gaya, 6 91. 91. 66. 71. Je répète. Pour envoyer Orange Money à Maman Gaya, 691-66-71. Et c'est Koubinon qui va s'afficher. Et voilà, et c'est Koubinon qui va s'afficher. Voilà. Voilà. Koubinon qui? Koubinon Louise, c'est le vrai nom de Maman Gaya. Voilà. Koubinon Louise, c'est le vrai nom de Maman Gaya, comme moi je m'appelle Lonkara Agnew Simon. Tout à fait. Voilà, elle s'appelle Koubinon Louise. Donc, quand vous allez, vous irez à Orange Money, peut-être vous voulez envoyer 500 000, 100 000, 50 000, 25 000. Tout ça est bienvenu. Le nom qui s'affiche, si Koubinon ne s'affiche pas, n'envoyez pas, s'il vous plaît. Oui. Koubinon Louise. Voilà. Maman Gaya, donc mobilisation tous les soirs à l'hôpital général. Tous les soirs à l'hôpital général pour soutenir Maman Gaya. Et la voici en présence de parce vous. Que hein, la voici. La musique de Maman Gaya joue partout. Nous voulons voir la mobilisation comme ce qui s'est passé avec le Yorobo. C'est dommage, lui, il était parti. Mais Maman Gaya, elle est encore là. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. C'est très important ce que Longue dit. Ouais. Et c'est ce que vous avez vu dans le post où j'ai poussé un cri de colère, d'accord? C'était pas une vidéo à communiquer au grand public. J'étais en colère parce que je suis seule face à ces factures avec des gens qui font des aides ponctuelles, d'accord? Ça ne suffit pas. On s'est mobilisé pour Kabal Libye, ça a donné 40 millions. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de 40 millions puisqu'on a là payé tout ce qu'il faut pratiquement pour ses soins. Mais elle est encore à l'hôpital, d'accord? Et il y a encore la facture de la dernière coupure. On s'est mobilisé pour qui? Non, non, disons, ça c'est autre chose. La politique, la politique. Regardez, mais là, pour une vie humaine, il faut se mobiliser. C'est pas la politique et donner, ici. Et donner plus. Il faut donner plus. Voilà. Et puis il faut aider. Elle n'a même pas de toi. Elle n'a même pas de toi. Non, non. Maman Gaya n'a pas un toit. Non, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent le changement du Cameroun. Non, c'est pas grave. Ne viens pas avec des choses. Non, ne viens pas grand-faire. C'est-à-dire que ce qu'il faut.
maintenant, d'accord, on a pratiquement terminé avec ses soins. Mmh. Mais j'ai dit pratiquement, hein, ouais. Parce que l'hôpital à Quintigny, moi j'ai fait un gros morceau là-bas. D'accord, ici là, hein, j'ai besoin de la mobilisation des autres parce que j'ai, attendez, je n'en peux plus là, mmh. D'accord. J'ai besoin d'aide aussi. Hein. Il y a encore les prothèses en silicone hein, en Belgique. C'est pas, ça coûte pas bonbon. Il faut que vous venez en aide, d'accord. 1000 francs seulement. Chaque Camerounais donne 1000 francs. C'est suffisant. Et puis, je vais vous dire, maintenant qu'elle n'a plus ses deux jambes, d'accord, il lui faut un toit. Hein? Il faut payer le loyer, tout ça. Il faut qu'elle mange. C'est pas tout les factures d'hôpital. Donc, oui, mobilisez-vous. Parce que moi, je veux bien prendre un terrain hein, ici au Cameroun et acheter une maison pour elle. Non, maman, parce que maintenant, construit. Attends d'abord. Oh. Vas-y, vas-y. Parce que maintenant, elle a besoin de ça. Et même si elle a construit les revenus là, hein, elle va voir ça comment. Puisque la musique maintenant, c'est difficile. Il faut que les pieds cicatrisent 3 mois. Avant qu'on mette les prothèses dessus, il faut commander les prothèses et il faut que ce soit fabriqué. Donc les 6 prochains mois, elle fait comment? Elle va sortir de l'hôpital, elle va se retrouver seule chez elle. Qui va payer les factures? Monique ne travaille pas. Qui va payer les factures? Donc je vous informe aussi que je prends nota de tous ceux qui appellent et qui envoient de l'argent et que moi personnellement, Dorette Bouimba, je vais leur envoyer une lettre de remerciement. Que ce soit par WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger ou que ce soit par ceux qui contribuent même à hauteur de 1000 francs, je vais envoyer les remerciements à pour tout le monde. Pour une petite information à Dorette, je vais dire une chose. Alors c'est moi qui informe Dorette. Dorette est en Belgique pour ses congés. Non, c'est les affaires. Pour ses affaires. Et je lui dis, tu sais que maman Guéa est à l'hôpital. S'il te plaît, on lui a amputé une jambe. Est-ce que tu peux trouver une prothèse? Voilà, papa, papa. Elle me dit, ok. Est-ce que tu peux lui venir en aide? Voilà, d'abord, un peu d'argent, va lui donner. Après, elle arrive au Cameroun, elle vient vers la banque et prend. Je me souviens, elle avait un flash cash d'un million. Mm-hmm. Elle vient. Que j'ai cassé. Mm-hmm. Elle a donné 500 000 à maman Léa. Oui. Et elle m'avait déjà donné 100 000. Mm-hmm. Donc, ça fait 600 000 qu'elle a donné directement à moins d'un mois à maman Léa. Non, en une visite, ouais, mm-hmm. C'est ce que j'ai donné. Ouais. Voilà. Maintenant, je suis surpris d'entendre aujourd'hui la. Non, il y avait aussi les banques que j'ai demandé à Samedico d'acheter 500 euros. Mm-hmm. Parce que pour que ça cicatrise vite, les bandes là étaient finies au Cameroun. Mm-hmm. J'ai cherché ça il y a une des 3 heures. J'ai ouvert tous les directeurs d'hôpitaux, les plus grands hôpitaux, il n'y avait pas. C'était fini à Douala. Donc Samedico aussi a marché 2 jours à Paris pour acheter ces bandes là. Avec mon argent. Non, pas ça, les bandes qui cicatrisent vite pour qu'on puisse mettre la prothèse. Parce que. Il y a des bandes spéciales qui accélèrent la cicatrisation. Et ces bandes-là sont 65 100 euros. J'ai payé 5 paquets. Hein? Okay. Et c'est le Samedico qui s'est chargé de les transporter. Et je lui dis un big up. Un big up à toi. Parce qu'il a marché 2 jours sous le froid pour aller chercher ça à ma demande. Moi, c'est que je ne sais pas comment je peux te qualifier. C'est plus que la mère Teresa. La fille de Dieu. C'est plus que la mère Teresa parce que elle a lavé maman Guéa. Elle a lavé. Donc ne voyez pas parce qu'elle parle dans la vidéo, elle est agitée. Alors, libérateur, on va peut-être répondre cet appelant de Paris. Mm-hmm. Alors, allô, bonsoir. Allô. Oui, maman Guéa vous écoute depuis l'hôpital général à Douala. Alors, elle vous écoute, elle est toute là devant vous. Bon, alors, il est parti. Alors, voilà. Le libérateur, tu peux continuer. C'est la mère, c'est le numéro de la mère des enfants. Oui. Non, elle a lavé. Ah. Elle est là. Elle a lavé. Si. C'était un peu. Quels sont les Camerounais qui peuvent faire ce que tu as fait? Est-ce que tu es obligé de dire alors? Tu n'es pas de sa famille. Non. Tu es aussi une Camerounaise qui aime la musique de Maman Guéa. Et tu viens, tu donnes de l'argent. Tu viens l'assister. Je peux pas la nourriture. Tu viens de 6h jusqu'à 18h, tu es là. Maman, excuse-moi. Personne. Excuse-moi, maman. Donc, je ne dis plus. Alors, en fait, ce que Dorette veut dire, hein, libérateur, c'est que tout ce qu'elle fait n'est pas matière à être une différence extérieure pour pouvoir montrer qu'elle est chaud pour cela. Voilà. C'est un geste de cœur qu'elle a fait et justement nous appelons donc à toutes les bonnes consciences, à toutes les bonnes volontés de pouvoir faire les mêmes gestes que tout le monde peut faire pour soi, pour sa famille et pour les autres. Et c'est pour laquelle justement nous avons créé cet élan de cœur pour le moment d'hier.
afin que tout le monde, hein, vous puissiez participer. Nous serons là tous les soirs de 16h à peut-être 18h ou 19h. Ou 20h. Ça mettra le plus de temps possible. Justement, pour que tous les jours jusqu'à la sortie de Maman Guéa à l'hôpital. Donc on sera là tous les jours. Mobilisés. Plusieurs artistes viendront. Et nous allons faire des petits voix et des petits posts comme ça, et puis des petits directs comme ça, en chansonnant une chanson de Maman Guéa. Voilà. Que je te demande à un libérateur de fredonner un petit air de musique de Maman Guéa, s'il te plaît. Un petit air. Banone, nasi benito motolombe. Banone, nasi benito motolombe. Nous m'envoyons, on va y attendre, mi messe. Nati kaye, nane guéa, nabile sonda. Allô, bonsoir madame, nous vous écoutons. Bonsoir monsieur, nous vous écoutons, vous appelez depuis Paris. Et Maman Guéa est en face de vous et vous écoute. Oui, juste pour dire à Maman Guéa que déjà, franchement, du courage. Votre nom, c'est. Ici, de vous mettre le numéro en direct, comme ça, de d'accord. C'est son numéro là. C'est son numéro qui répond aussi sur WhatsApp. Ça, c'est son numéro. Votre vous pouvez envoyer donc une communication, si vous voulez. Vous pouvez envoyer un Orange Money. Si vous avez quelqu'un au pays, il va le faire sur le même numéro. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi un MoneyGram ou un Western Union. Maintenant, si vous voulez faire le Western Union, voilà le nom que nous allons vous communiquer par Dorette. Dorette, quel est le nom qui doit figurer sur le bénéficiaire? Alors, c'est Mademoiselle... D'accord. Oui, alors c'est Mademoiselle Jambon. Ça s'écrit D-J-A-M. B-O-N. Monique Sandrine. Et le numéro de téléphone? Ça va. Bon, ben, ça va. Ça va, ça va le nom suffira, je crois. Le nom suffira, ça suffira. Arrête ça. Moi, je... Le nom, c'est D-J-A-M-B-O-N. Non, pas P, hein. B, comme banane. B comme banane. B-O-N, oui, monsieur, comme bon. Donc, le début, non, hein. C'est D-J-A... D-J-A... M... Comme Marcel. Oui. Non. Oui, non. D comme Bernard, oui. Non, attendez, on reprend. D comme Dorette, J comme Janvier, A comme Alpha, M comme Monique, B comme Banane, O comme Orange, N comme Narcisse. Ok, ça marche. Merci beaucoup. D'accord. Merci d'avoir appelé. J'ai parlé à monsieur. Votre nom, s'il votre vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur oui. Romuald Christian. Monsieur Romuald, nous vous remercions beaucoup d'avoir appelé et nous vous disons que Dieu vous rende au centuple ce que vous allez dépenser. Est-ce qu'on peut avoir une idée du montant, s'il vous plaît? Parce non. qu'on prend notre nom. Non, ça va. Disons non. que le bureau, c'est un élan de cœur. Il n'a pas encore fait. Ok, bon, mais quand c'est vous pouvez penser à nous envoyer un SMS, parce que vous savez, il y a souvent des courts-circuits, on va dire ça comme ça, hein, pour être poli, d'accord? Et puis on vous enverra aussi des remerciements. Tout à l'heure, je voulais dire qu'il y a des organisations qui cotisent. Il y a des organisations qui cotisent, soi-disant, pour libérer le Cameroun ou pour le bien-être des Camerounais. S'il vous plaît, laissez-moi parler, j'assume. Hein? Voici une icône. Bibliothèque. Voici une icône, une bibliothèque de la musique camerounaise. Si vous voulez libérer le petit Camerounais, qui est Camerounais, qui est au quartier là, qui est à Bamena, qui est à Kumba, qui est à Boya, et que
Vous ne libérez pas d'abord ceux qui sont dans le besoin. Bien sûr, bien sûr. Vous allez donc libérer qui si vous ne libérez pas Maman Guéa. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire. C'est bien. C'est ça que je disais. Le... Ouais. Mon frère. Ouais, c'est ça. Si vous voulez libérer, parce que elle, libérons ceux qui ont quand même fait les preuves. Tu as fait quoi les gens ont vu. Maman Guéa a fait les gens. On ne peut pas laisser Maman Guéa comme ça. Donc mobilisons-nous jusqu'au jour où Maman Guéa va sortir d'ici. Le numéro, le même numéro. Mais ça, ça doit être le. Maman pince. Maman pince. Ne bipez pas, s'il vous plaît. Alors, ah, vas-y, vas-y. Vous avez compris un peu. Ta logique. Libérons Maman Guéa. C'est pour ça que j'interpellais. Voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est un appelant de Paris. Nous vous écoutons. Maman Guéa est en face de vous depuis l'hôpital général à Douala. Elle vous écoute. Allez-y. Allô? Maman Guéa vous écoute. Allez-y. Nous vous écoutons. Alors, donc là, l'antenne n'était pas très bonne. Donc, libérateur, tu peux continuer. Je disais que j'ai vu des réunions. J'ai vu comment les gens se sont mobilisés devant la Tour Eiffel, devant ceci pour libérer le Cameroun. Voici la bibliothèque du Cameroun. Libérons Maman Guéa. Qu'il faut sauver. Il faut sauver. Parce que moi-même, je suis tombé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas cotisé. Hein? Ça fait 10 mois que je galère, que je mendie. Si je tombe maintenant et que je vais déjà mourir, il y a un moment même j'étais malade sur Facebook, personne n'a envoyé même 5 francs. Hein? S'il vous plaît, voici Maman Guéa. L'icône de la chanson camerounaise. L'icône de la chanson camerounaise. Combien? 200. Venons en aide à Maman Guéa. Qui a envoyé? Voilà. Je vais parler. Il y a des gens qui se sont rajoutés à moi pour les factures. Je lui ai dit merci à monsieur le représentant de l'ordre de Malte au Cameroun, qui est ONG, d'accord. Il a envoyé auprès de Maman Guéa 200 000 francs. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Merci. Alors, il y a un coup de fil. Allô? Maman Guéa vous écoute. Bon, vraiment, je vous apprécie pour tout ce que vous faites pour elle. Et moi, c'est Eugène Diapom. Je viens d'envoyer 3 000 francs par an à mon aide. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Alors, merci beaucoup pour la maman. Maman Guéa vous répond. Maman Guéa vous répond en direct. Merci. Merci beaucoup pour le geste que vous avez fait. Parce qu'il ne suffit pas, il suffit pas de donner beaucoup, mais c'est un geste qu'il faut. Vraiment, ça vient du fond du cœur. Vraiment beaucoup de courage. Voilà, nous prenons Paris. Merci monsieur, pouvez raccrocher s'il vous plaît. Voilà, on se passe. Allô monsieur? Allô monsieur? Salut, que tu disais de raccrocher. Alors, Dorette, c'est toi qui avais la parole. Oui, donc j'étais en train de dire merci au représentant de l'ordre de Malte au Cameroun. Hein. Merci, nous avons bel et bien reçu la somme de 200 000. Ça a contribué pour les ordonnances, hein, parce qu'on les a à profusion, hein, ça sort tous les jours. Où sont les autres? Qui était venu? Ça sort tous les jours. Hein, donc, merci beaucoup. Vous avez contribué à acheter beaucoup de médicaments, hein, à notre bibliothèque musicale. Voilà. Donc, je vais parler de Nicole aussi, maman, tu veux? Quand l'argent que j'ai trouvé là-bas, c'est qui était là? Qui a donné? C'est... Pourquoi? Alors, pourquoi j'ai entendu donner? Il avait donné, mais ça, c'était ça. Ok, mais l'employé de l'ordre de Malte, je l'ai croisé à Zipoli, il m'a dit que son patron a donné 200 000. Je ne le connais pas. Bon, on va dire merci déjà. On va dire un gros big up à Coco Agenté. Super. Hein, notre Go Galaxy est contesté, d'accord. Merci pour l'élan de cœur de 100 000 francs
que vous avez envoyé à l'attention de Maman Gaya La Route. Nous vous remercions pour votre sensibilité. Merci. Un coup de fil. Allô? Un coup de fil. Allô? Maman Gaya vous écoute. Allô? Maman Gaya vous écoute. Présentez-vous et parlez à Maman Gaya. Allô? Présentez-vous et parlez à Maman Gaya, elle vous écoute. Elle me connaît très bien, c'est son fils Madjou. What? Qui? Alors, qui? Ouais, qui Madjou? Madjou. Oui, nous vous écoutons, vous appelez, allez-y, monsieur. Allez-y. Ouais, c'est Madjou qui passait en été la voir. Alors, c'était pour avoir son ordonnance, pour savoir quelle insuline elle prend maintenant et... Donne les ordonnances. En gros, comment on voit son ordonnance? Non, son insuline, elle prend sa l'insuline. Monsieur, bonsoir. Il se trouve que nous n'avons pas le droit de prendre de l'insuline qui vient de l'extérieur. L'insuline, comme à Maman Gaya, provient de l'hôpital général. Donc, nous vous prions de vous rapprocher des services de l'hôpital général si vous avez un don en nature. Ok, bah, je vais directement me faire le test. Merci bien. Merci. Alors, tous les soirs à 16h, à partir de 16h, mobilisation 17h, l'entrée c'est 18h. Ok, 18h, l'entrée c'est 18h. Enfin, 18h encore nous. D'accord, donc tous les soirs, mobilisation à 17h et puis entrée à 18h. Ah, voilà, donc mobilisation tous les soirs à 17h et entrée à l'hôpital à 18h, ouais. Heure de visite. Tous les soirs, je serai là avec le bon bord de Nabiton. Et Dorothée Brimba, la fille de Dieu. Voilà, venez nombreux, mobilisation jusqu'à la sortie de Maman Gaya. Mobilisation tous les jours. Maman Gaya ne doit pas se sentir seule. Non. Elle ne doit pas se sentir seule. Jamais. Une mobilisation tous les soirs. Tous les soirs. Après un parcours tous les soirs. Là. Tous les soirs. Après s'il vous plaît. Avoir donné autant d'elle-même. Hein, de son temps, de sa chaleur, de son énergie. Voilà. Elle mérite bien le soutien de tous, vous ne pensez pas? Parce que, Dorette, je vais te dire quelque chose pour parler de musique. Est-ce que c'est que la musique? C'est que c'est que la musique en général? On va d'abord laisser le téléspectateur parler et puis on va revenir après. Nous allons dire quel est le rôle de Maman Gaya dans le cœur des gens. Oui, alors, bonsoir. Présentez-vous et Maman Gaya vous écoute. D'accord. Le numéro que vous avez là, ça fait Orange Money. Ah, c'est Orange Money, hein? Oui, c'est le numéro de Maman Gaya. Et le nom qui s'affiche, okay, d'accord. C'est Koubi, non? D'accord, et le nom qui va s'afficher, c'est Koubinon Luiz, qui est le vrai nom de Maman Gaya. Si c'est pas ça qui m'envoie pas. Oui, j'ai mis ça dans le tiret là, Koubinon, oui. Voilà. Si c'est merci. Pas ça, m'envoie pas. Il y a trop de coups de fil. Raccrochez, merci, à demain, monsieur. Alors, j'allais dire, Dorette, oui? J'allais dire, par exemple, vous voyez, toi qui vis en Europe, toi qui vois comment non, ça se passe. Non, moi, je vis au Cameroun. Alors, tu vis au Cameroun, mais tu y vas la plupart du temps. Tout le monde qui y va. Vous voyez, les maîtres de chœur des orchestres philharmoniques, oui. Comment ils sont adulés. Oui. En fait, c'est parce qu'ils jouent le rôle d'entremetteur entre le monde des esprits, mm-hmm. C'est-à-dire qu'entre la musique des sphères et oui. Nous, les humains. Oui, c'est pour cette raison qu'on leur rend avec autant d'hommage. Les maestros. C'est la même chose qu'on rendrait à n'importe quelle personne oui. Qui va aduler le cœur des uns et des autres et en affiliant avec la musique du cosmos, de la belle musique. Oui. C'est le rôle que joue Maman Gaya. Oui. Ça veut dire que nous avons donc un devoir moral. Nous avons donc une intégrité morale, un devoir d'intégrité morale, un devoir de gratitude vis-à-vis de cette belle œuvre qu'elle a composée pour pouvoir nourrir l'esprit des êtres humains. Donc c'est pour ça qu'il est important de rappeler qu'à chaque fois, nous avons ce devoir. Donc les gens doivent se mobiliser, comme disait Longueur, pour lui témoigner justement cette reconnaissance. Moi, ce que je vais dire, c'est que les Camerounais devaient très souvent faire ça. Pas seulement pour Maman Gaya, mais pour la vie. Pour sauver une vie, on devrait se mobiliser. Parce que la vie... Ouais. Oui. Bonsoir, présentez-vous et Maman Gaya vous écoute. Oui, aussi, vraiment, je suis en direct. Je vous suis vraiment
Je vais dire bonsoir et vraiment beaucoup de courage à la mère. Vraiment, nous sommes dans une génération, mais nous sommes tellement touchés et nous suivons la mère en direct depuis vraiment toute son hospitalisation intimée jusqu'à l'hôpital général. J'ai envoyé ma modeste contribution de 5 000 francs. Bravo, félicitations. Quel est votre nom? Votre nom? En tout cas, ça va s'afficher sur le orange, mon nom. Ça s'affiche. Non, je vais vivre. Bravo, Mombo. Mombo. Merci. Oui, on l'utilise encore, je vais amener. Quel est son nom? Votre nom, s'il vous plaît. Merci. Gomyem. D'accord, merci. Alors, Maman Guéa vous dit merci en direct. C'est moi qui dis merci à la mère. D'accord. Merci, bonsoir. Ok, merci. Alors, vas-y, maestro Longa, qu'est-ce que tu as dit de libérateur, de ton poursuit de libérateur? Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu es en train de parler. Voilà, je disais qu'on ne doit pas abandonner Maman Guéa. Maman Guéa a beaucoup fait pour la musique camerounaise. Merci. Elle mérite le soutien de tout le monde. Voilà. Merci à... Qu'est-ce qui m'encourage? C'est Dorothée Donda. Parce que quand on me dit qu'elle est là tous les jours, de 6h à 18h, c'est pas possible. Il y a pas de Camerounais comme ça. Il y a des Camerounaises comme ça. Et puis longueur, il faut dire. Hein. Il faut dire, hein, libérateur. Libérateur, il faut dire. Il n'y a pas le hasard. Mm-hmm. Tu vois, qu'est-ce qui a fait que toi tu viens ici aujourd'hui, et je me retrouve là aussi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on retrouve Dorette depuis qu'on est là? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à trois? Et qu'est-ce qui fait que toi tu lances cette idée géniale de pouvoir faire une mobilisation à travers le direct comme doit faire? Il n'y a pas le hasard. Ce sont des choses qui sont créées par Dieu lui-même. C'est la deuxième loi de nature qu'on appelle la loi des correspondances. Donc c'est une loi des correspondances qui a fait que tu sois là. Au moment où je suis en train de venir, au moment où Dorette est en train de venir. Donc, ce n'est pas un hasard. Alors, donc, tu vois que c'est déjà un triangle. Voilà, ce triangle, donc, là, va produire donc quelque chose d'assez positif. Fort, de très positif. Alors, moi, je suis venu avec 200 000 que Lili Changa m'a envoyé du Canada. Et j'étais venu avec les 100 000 avant que tu ne viennes donner 500 000. Hein? Voilà. Parce que je pouvais aussi... je pouvais empocher les 200 000. Hein. Bien sûr. Quoi? Hein? Teste-nous. J'ai dit, je... Moi, je gère le radar de ça. Je pouvais les empocher, mais je suis venu les donner. Ouais. Bon, moi, je vais... nous parle un peu des factures. Hein. Oui, avant les factures, hein, je fais un coucou à mes amours, hein, Brian Itan et Ryan Antonja. D'accord, mes amours, je ne vous ai pas abandonné. Il y avait une urgence ici, d'accord. Ouais. Et c'était un problème de vie ou de mort. Vous voyez tout ça? Donc, je reviens demain. Vous voyez tout ça? Il faut demander à la dame, hein. Il ne faut pas la montrer. Il faut montrer comment elle met les produits sur moi. Et ça, ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments. Et qui coûtent cher, qu'on achète longuet. Ce ne pas des médicaments qui sont gratuits. Même s'il y a la bonne volonté, le bon cœur, la bonne grâce, des infirmières et des infirmiers et puis du docteur. Les bandes à moi sont finies. Un coup de fil, De Paris. Allô? Oui, bonjour, Longue. Bonjour. Oui, je tenais juste à vous remercier, vous, pour le geste que vous venez de poser, parce que j'estime que tous les artistes, en général, doivent utiliser effectivement leur cote de popularité pour poser ce genre d'actes. Donc, je pense que c'est vous vraiment qu'il faut remercier par rapport à ce geste, et merci pour la suite. Merci, c'est le tonton Benoît qui m'a dit, Longuet, fais-le. Moi, j'avais peur, parce que je ne voulais pas qu'on dise que Longuet est venu filmer Maman Guéa. Ouais, j'avais peur. Il m'a dit non, s'il te plaît, Longuet, tu as une grande audience, fais-le s'il te plaît. Et elle dit ok, parce que où celui-là, j'ai le sang de Maquero. Oui, tu es dans les mauvais coups, sous les mauvais coups, c'est toi. J'ai le sang de Maquero, donc. Et après qu'on discute. Non, pourquoi il a le sang de Maquero?
pour qu'elle allait filmer Maman Guéa. Il est fauché. Et non, Victor, le maestro m'a dit, Longué, s'il te plaît, fais-le. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, le monsieur, c'est une très bonne initiative. Moi, je pense, hein, Longué, instantanément, il n'est pas parti de chez lui pour venir le faire. Mais instantanément, ça s'est décidé. Ça s'est décidé là une fois. Et c'est toi qui as proposé. Alors, Longué lance donc la cagnotte, et ça, appelons ça comme ça. Moi, j'ai lancé, mais je n'ai pas dit. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que tous les soirs, Longué, on viendra ici et on appelle beaucoup d'autres artistes de venir se joindre à nous et beaucoup d'autres personnes de bonne volonté de venir se joindre à nous. Maman Longué ne se sentira plus jamais seule. Plus jamais, c'est fini, Maman Guéa. Dorothée, en demain, de le matin, la veille, aujourd'hui, demain, moi, je vais te laver aussi. C'est vrai qu'un homme ne lave pas une femme. Non, même son fils ne lave pas. Voilà. Quand les femmes sont là, les hommes s'effacent. Et vous voyez, Maman Guéa, vous voyez, ça, c'est une chaîne de solidarité, voilà. D'amour, en fait. C'est moi, l'amour. Mais tu vois, mm-hmm. Donc, elle vient là, Dorothée vient. Dorothée vient, voilà. Voilà, on c'est comme ça est, que malade tous autour d'elle, d'accord. Un malade devait se sentir comme ça. Entouré. Parce que c'est bon pour le mental. C'est bon pour le moral. Voilà. Et quand on a le mental, on est guéri déjà. On est guéri. C'est 70% de la guérison. Tout à fait. Voilà, c'est le psychologue Dorette Bonima qui a parlé. Moi, je vais poser seulement une question à Longué. Alors, Longué Simon, est-ce que tu sais que le geste que tu poses, ça s'appelle spiritualité. C'est comme ça. Parce que la vraie spiritualité, c'est pas aller à l'église. C'est pas dire Seigneur, Seigneur. C'est pas chanter à tue-tête jusqu'à dormir et à tomber de nous. Non, la vraie spiritualité, c'est l'amour. Mm-hmm. Aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, c'est ce que tu as fait. Alors moi, je vais te dire merci, bravo, voilà une véritable piste que tu dois explorer dans ta vie. C'est sa nature. Alors, tu as une nature très humaine, c'est-à-dire que pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut te dire de tous les noms d'oiseaux. Oui. Mais nous qui te connaissons, moi je connais Longué, quand il habitait chez Cacao, il a grandi, c'est mon petit frère. Longué, c'est parce qu'il a trop cru en lui qu'il est arrivé là où il est arrivé. Bon, moi, je vais dire une chose de lui, que les gens ne savent pas. Donc Longué, c'est une piste que tu viens de découvrir qu'il faut explorer, jouer. Voilà, il y a un coup de fil, un beeper. Mais moi, je veux dire autre chose. Hein. Je veux dire autre chose de Longué que les gens ne savent pas. C'est que je l'ai testé. D'accord? Je suis comme ça. Je n'aime pas les gens à côté de moi parce que les gens viennent à côté de moi pour faire des choses bizarres. Hein. Je ne vais pas expliquer ici. Mais quand j'ai accepté qu'il m'approche, je l'ai testé sur plusieurs angles. Ce qui a fait que je reste à côté de lui, parce que beaucoup de gens sont venus me dire qu'il n'est pas de mon acabit, que je ne devrais pas me mettre à marcher avec des ordures, que je ne devrais pas me mettre à marcher avec des gens qui insultent le chef de l'État, que je ne veux pas que tu vois. Mais je dis une chose, c'est que il a beaucoup de courage. Et il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et quand on m'a dit qu'il insulte le chef de l'État, j'ai dit c'est faux. Il ne l'a jamais insulté. Il a donné son point de vue. On est en démocratie. Il a dit ce qu'il pensait du gouvernement en place. Il a dit ce qu'il pensait du chef de l'État. Il y en a qui le caricaturent, font plus que lui. Dans Popolia, j'ai vu souvent les chaussures pointues, tout ça. Donc là, comme c'est la caricature, tout le monde a rigolé. Et personne n'en a voulu à Nien Popoli. Hein? Mais quand lui, il a commencé à fustiger, tout le monde a dit Longué, parce que l'homme africain est comme ça. Dès que tu commences à décrier, eux-mêmes, ils décrit plus que toi. Donc ce monsieur est encore ouvert. C'est la première des choses que j'ai remarqué chez lui. La deuxième des choses, c'est que quand je mets une bouteille de cristal sur sa table, il ne boit pas seul. D'accord? Il appelle les gens avec qui il n'est pas sorti. Parce que moi, je ne suis pas sorti avec lui. Je sors seul, je rentre seul. D'accord? Mais j'ai posé une bouteille de cristal sur sa table et il a commencé à appeler les gens à gauche et à droite qu'il estime, hein, il n'a pas saturé la table. D'accord? Il a fallu beaucoup d'élégance parce que moi, je suis très élégante. D'accord? Et je n'aime pas tout le monde à ma table. Donc, il sait ça, il a respecté le code. Mais ce qui est bien, que vous devez relever, c'est que je lui ai souvent dit, la vie, c'est le partage. Et quand quelqu'un aime partager, il m'intéresse.
Parce que quand Dieu te donne, donne aux autres. Madonna, quand Dieu te donne, donne aussi aux autres. Et parce que Dieu te donne pour que tu donnes à ceux qui n'ont pas. Hein? C'est une chaîne alimentaire. Si tu coupes la chaîne, ça s'arrête, c'est toi aussi. Bravo. Et puis ça n'entre plus. Voilà. Bon, maman Guéa, on ne va pas te fatiguer. Oui, ça va bientôt faire plus d'une heure que nous sommes là. Sois sûr, tous les soirs nous serons là. À 17h. Mais 17h, tous les soirs. Si vous venez avant moi, restez là-bas, vous attendez 18h. Mais on va se retrouver ici. On fait la prière, on mange avec maman Guéa. Il s'appelle Zim. Hein? Si vous venez avec les sandwichs, parce que nous allons manger tous ensemble. Mmh. Ici, les fruits, les jus, même si c'est la bière, venez. On va continuer la fête. Maman Guéa est née dans la fête. On va continuer la fête jusqu'à sa sortie. Mais nous, on écoute la musique ici tous les jours. Et que vous dites, on danse ici, on est dans la joie. Elle a envie. Ça va plus être pire. On va faire la fête. Je vais. Oh. Bonsoir. Je vais faire une prière de fin. Tu peux venir. Pour pouvoir libérer aussi maman Guéa, pour qu'elle se repose aussi un peu. Nous allons d'abord remercier aux internautes, ceux qui ont participé. Alors, Dorette, très rapidement, tu vas peut-être nous lire les noms qui ont participé d'une certaine façon. Je leur dis merci avant que je ne conclue avec la prière. Alors, je suis Dorette. Je voudrais dire merci à l'étudiant. Qui a appelé en premier, j'ai pas écrit son nom. Il a fait un don de. Monsieur Nono, merci. Vous avez fait un don de 25 000. Vous avez ouvert la cagnotte ce jour 20 janvier 2020. Merci beaucoup. Ensuite, il y a une dame de New York qui va faire Orange Money via sa soeur au Cameroun. On a une dame de Paris aussi. Qui va faire un Orange Money. On a monsieur Essia Romuald Christian qui a appelé de Paris, je crois, qui va faire aussi un don Orange Money. Il y a Willy qui a fait un don de 3000. Ça, c'est déjà effectif par Orange Money. Merci Willy. Il y a Nelson qui est en Espagne qui fera un Orange Money demain, 21 janvier. Et puis, on a monsieur Ngonim. Qui a fait Orange Money de 5000. Merci, monsieur Ngonim. On a Coco Agenté, Lago Galaxy, qui a fait un don déjà de 100 000 francs. Ma Coco à moi, merci beaucoup. Ensuite, on a le représentant de l'Ordre de Malte, hein, qui a donné 200 000 francs. Donc, je vais vérifier pour le représentant, mais c'est effectif parce que c'est son employé qui m'a dit ça. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Nous attendons encore et nous vous disons merci. Maintenant, il y a Lily Changa, la marraine Poche Kaen, qui a fait aussi un don de 200 000. Merci. Alors, à toutes ces personnes, nous disons merci. Mais à qui des doigts d'abord, nous disons merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'il y ait cette émulation populaire que Longue Simon a créée autour de Maman Guéa. Nous avons suivi la chaîne. Et nous avons trouvé sur place déjà Bouimba Dorette qui était là. Alors, quant à moi, je suis le bon Bob Bouimba Piton. Nous allons donc adresser une prière de remerciement à Dieu qui a permis que cela soit fait. Nous allons donc tous nous lever. Alors, je demanderai peut-être à Dorette de se lever. Maman Guéa, tu vas fermer les yeux, comme nous tous d'ailleurs, et on va prier. Alors, le Dieu Tout-Puissant qui a créé Maman Guéa, qui a créé Lomé, qui a créé Dorette Bouimba, qui a créé Bouimba Piton, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé tous les êtres humains, nous te sommes très reconnaissants. C'est toi qui donnes, c'est toi qui le prends, et c'est toi qui décides de tout. Parce que nous, on peut proposer, mais c'est toi qui disposes. Tu as disposé de Maman Guéa comme tu voulais. Nous t'en remercions, parce que cela a été ton choix et ta volonté. Ce que nous te demandons simplement, c'est que abrège ses souffrances, c'est-à-dire que dirige vers elle toutes les bonnes grâces que toi, le seul Dieu, tu peux avoir et que tu as, afin que ses souffrances soient abrégées. Et maintenant, la douleur qu'elle ressent tout le temps, à longueur de journée, cette douleur est inexplicablement insoutenable. Elle ne peut apprécier cette douleur-là. C'est qu'elle fait cette douleur-là et elle a fatigue dans son corps. Elle est tout le temps fatiguée. Et elle vomissait même. Les vomissements viennent commencer seulement à la sérénité. Donc, toutes les autres souffrances qu'elle a, c'est bien plus puissant. L'énergie donne la nuit. Elle en a besoin. Toi seul as l'énergie parce que toi-même, tu as l'énergie cosmique. Toi seul as le pouvoir et la force de guérison. Toi seul es le médicament, parce que ce médicament, tu es le médicament. Là, le médicament, tu l'as, toi. Donne-lui ce médicament.
nous tous les frères et sœurs qui sommes retrouvés ici à travers ce direct que nous avons fait, nous te remercions et nous voulons que toi, nous de bonne grâce, tu bénisses cette initiative de Monsieur Lambert Simon, qui vient de découvrir cette piste humaniste qu'il a lancée lui-même sur Internet en occasion de cette douleur que nous avons dit à moi, je m'associe à elle. Et pour elle de l'avec, nous allons le faire. Merci beaucoup, je vous dis que là. Elle a un mental de fer, elle a toujours envie de savoir qu'elle peut vivre, et ça c'est très important. C'est une lionne, c'est une bagarreuse. Elle m'a dit à l'hôpital, demain tu sais, je ne mourrai pas. Je vais vivre et je vais travailler, quel que soit le handicap que j'ai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà le mental de Maman Guerre. Seigneur, toi seul as pu lui donner ce mental. Continue à lui donner afin que tout ce qui va être fait, la bénédiction que tu mets sur cet hôpital, descend cette bénédiction, qu'elle puisse, non pas seulement sur Maman Guerre seule, mais sur l'ensemble des patients. Touche le cœur des infirmiers, des aides-soignants, des médecins et de toutes les personnes de bonne volonté qui assistent les malades dans cet hôpital. Bénis tout le monde, Seigneur. Bénis même Internet qui est en train de pouvoir faire en sorte que nous puissions voir le monde entier, puisse voir la souffrance en direct de Maman Guéa et que les gens des autres puissent alors participer. Ceux qui n'ont pas pu le faire ce soir, demain nous serons encore là à 17h. Permet que ceux-là, s'ils n'avaient pas de moyens, mais qu'ils aient envie de le faire, qu'ils les aient ces moyens. Parce qu'il y a des factures, il y a des médicaments à acheter, il y a le lit à payer, il y a la télé à payer, il y a le téléphone à payer, tout est à payer dans ce monde. Or, si on n'a pas de moyens, comment peut-on le faire à plus forte raison, elle qui est malade? Alors Seigneur, nous te gratifions donc, Maman Guéa, nous te le donnons donc toi-même, selon ta volonté, entre tes propres mains, nous mettons son corps, sa vie, son esprit, pour que toi-même tu puisses apporter cette joie de vivre dont elle a besoin. Nous sommes là derrière, bénis-nous aussi afin que nous puissions avoir non seulement le temps, mais aussi les moyens, la santé pour pouvoir l'assister jusqu'à ce qu'elle sorte de cet hôpital. Oh, combien nous savons qu'elle va sortir. Merci beaucoup, Seigneur. Nous te demandons pour ceci, par justement cette grâce que tu nous as gratifiée. Merci, Seigneur. Que tu sois ici. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, j'invite David Le Forestier. David Le Forestier, tu viens donner ta contribution. Yvan Zara, tu viens donner ta contribution. Le Yapaki, tu viens donner ta contribution. Le Lion Blanc, Bafatin, Maman Guéa attend ta contribution. Voilà, Antoinette, Lambengis, Abali, viens donner ta contribution. Le Pium, Abali, venez donner votre contribution. Las Vegas, venez donner votre contribution. Le Blue. Neptune Garden. Sinam Le Blue, venez donner votre contribution. Neptune, on vous attend tous. Neptune Garden. Neptune Garden. Garden, venez donner votre contribution. Santa Lucia, venez donner votre contribution. Même les banques. Hein? Le Blue. Le Bouget, venez donner votre contribution. Même les banques. Voilà, il y a déjà le médecin qui le fait son travail. Donc, merci. Merci. Demain à 17h. Demain à 17h. C'est pour ce moment. Pour ce moment.